mon rôle c'était de préparer en amont la rando VTT, tout ce qui est les demandes administratives, après tout ce qui a été le balisage, tout ce qui a été les demandes chez le privé pour faire les passer les trois parcours, l'organisation générale du parcours, voilà, et puis maintenant le pendant, et il y a aussi le après. On a voulu que cette rando VTT soit vraiment ludique, avec des montées accessibles à tout le monde. Notre but, je pense que les gens, vu le retour qu'il y en a, est bon. Il y avait trois parcours de proposer, un parcours familial donc de 11 km. Ce qui était proposé donc plutôt pour les enfants et avec les mamans. Un parcours sportif qui était de 32 km. On sait que voilà, c'est pour les personnes qui font du vélo, mais occasionnellement. Et puis il y avait un parcours exigeant, qui on appelait l'expert, qui était 47 km. Et qui était bien dur. Nous, on a fait le 47 là. Ah, Magic. Vraiment magique. Ouais. Donc il y a de tout, des portions roulantes, des portions en single, du technique, il y a du cardio. Il y avait vraiment de quoi faire plaisir à tous ceux qui sont adeptes du VTT. Hein. Les gens, s'ils ont le sourire, apparemment ils ont l'air d'avoir le sourire, donc ça s'est plutôt bien passé. Après, en nombre, apparemment on était 400. Voilà, si dans les 400 on a 350 sourires, on aura gagné. On aura fait une bonne randonnée. Très content, satisfait. Ça y est, on relâche la pression, on est bien, là on va manger, on va aller boire un coup, puis voilà. Parcours accessible à beaucoup de monde, quelques beaux passages techniques, quelques variés. Tu sais combien de kilomètres tu as fait? 11. 11 quoi? Kilomètres. Et alors, c'était bien? Oui. C'était bien, c'était facile, j'ai bien aimé la descente et c'était marrant qu'il y avait des qu'on passait dans des petits ruisseaux. Le 1er mai, normalement l'année prochaine c'est encore férié. On est bon pour l'année prochaine.